Mesdames et messieurs, merci de rejoindre Atrance Télévision pour vous informer. Voici les titres de ce journal. La session de septembre 2023 officiellement ouverte ce vendredi à l'Assemblée nationale comme au Sénat. La session est essentiellement budgétaire, ont rappelé les présidents de deux chambres du Parlement qui ont chacun prononcé des discours d'ouverture. À l'occasion de l'ouverture de la session, le Premier ministre a déposé le projet de loi de finances exercice 2024. Le budget est évalué à environ 16,5 milliards de dollars américains. Les mots du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à suivre dans un instant. À suivre également la présentation par le gouvernement d'un nouveau livre blanc qui recense les dommages causés à la République démocratique du Congo du fait de la régression rwandaise. C'est la ministre de la Justice et son collègue porte-parole du gouvernement qui ont présenté ces livres blancs. C'est l'essentiel pour les titres. Place aux détails. Les députés sénateurs ont repris le chemin du Parlement ce vendredi pour la session ordinaire de septembre, la dernière de cette législature. L'ouverture de la session, ponctuée par deux discours des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ils ont tous les deux insisté sur la présentation d'un budget 2024 réalisable, mais également sur la tenue des élections dans le délai. C'est la dernière session de cette législature de la Troisième République, une session de septembre essentiellement budgétaire qui a mobilisé plusieurs personnalités du pays et même des diplomates. Au Sénat, le président du bureau, Modeste Batilukwebo, a insisté à cet effet sur un budget réalisable en vue d'endiguer l'effectuation des taux d'échange au pays. Pour éviter l'amenuisement continu du pouvoir d'achat de la population, je souhaite que le budget 2024 soit adopté en tenant compte de la conjoncture économique dont les tendances inflationnistes auront sensiblement accru et le taux de change du franc congolais au-delà des prévisions face aux monnaies étrangères. Et aussi la prise en compte des recommandations formulées par le Sénat. Outre l'économie et finances, les speakers de la Chambre haute du Parlement a également planché sur la situation sécuritaire à l'Est, les climats, les sociales de la population, mais également sur les processus électoraux. J'émets le vœu de voir le gouvernement continuer à décaisser à temps les fonds prévus pour permettre à la CENI d'organiser des élections justes, transparentes, démocratiques et apaisées. J'invite également la CENI à respecter scrupuleusement son calendrier afin que les élections se tiennent le 20 décembre 2023. Le président du Sénat a rappelé quelques activités réalisées durant la période des vacances parlementaires avant d'appeler ses collègues de demeurer assidus dans le travail pour l'intérêt suprême de la nation. D'une chambre à une autre, les bureaux du Sénat, les élus des élus et différents invités ont tous pris place à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour l'allocution d'ouverture du président de la Chambre, Christophe Mbosoko Diampouanga. Il a dressé de manière succincte les tableaux de la situation générale au pays, tout en rappelant lui aussi que la session est essentiellement budgétaire. S'agissant du processus électoral, le président de l'Assemblée nationale a dit toute son assurance sur la tenue des élections dans les délais. Avec la publication par la CENI des listes provisoires des candidats aux élections législatives et la convocation de l'électorat à l'élection présidentielle et aux élections provinciales et municipales, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que celles-ci auront bel et bien lieu à la date prévue, c'est-à-dire le 20 décembre 2023. La session de septembre, ouverte dans les deux chambres du Parlement, se clôturera à 5 jours de la tenue des élections, soit le 15 décembre 2023. Les députés et sénateurs n'ont pas manqué de s'exprimer à la fin de cette plénière d'ouverture de la session de septembre. Comme vous le savez, la session du mois de septembre, c'est essentiellement une session qui est budgétaire. Ici, à travers cette session qu'on corrige les erreurs quant au budget et le budget en cours,
puisqu'il y a les écarts que nous devons rapidement prendre les budgets en correction ou en correctif pour ne pas flasher ou clôturer avec une situation qui soit déficitaire. Mais quand cela ne tienne, nous avons aussi noté la reprise de la sécurité un peu ça et là dans les zones à turbulence. Et ceci, c'est un bon signe ou avant-coureur qui annonce la bonne tenue des élections. La population est en train d'attendre à ce que le gouvernement fasse quelque chose dans les 2-3 mois qui restent avant d'arriver aux élections. Bon, c'est un discours qui est tout à fait naturel. Il a essayé de brosser les activités interparlementaires et l'actualité du moment. Donc il n'y a rien de spécial. C'est un discours normal. Nous avons fait ce que nous avons pu faire. Le reste, ce n'est pas à nous de le faire. Nous proposons, nous faisons des propositions, des lois et autres, mais le reste, c'est l'exécutif. C'est à l'exécutif de faire son bilan. Nous avons fait le nôtre, et notre bilan est pratiquement positif. C'est à l'exécutif qui doit mettre en musique ce que nous proposons comme lois et autres, de faire le reste du travail. C'est un discours à la hauteur de ses attentes, et il nous souhaite une très bonne campagne électorale et il voudrait que la plupart d'entre nous puissions revenir. Donc voilà ce qu'il a dit. C'est comme d'habitude, notre président est à la hauteur, il fait des discours magnifiques. Donc c'est un très bon discours. Le discours du président, c'est un discours qui est vraiment consistant et c'est un discours qui arrive à point nommé. C'est un discours rassembleur, c'est un discours, je pourrais dire, résumé aussi, qui résume pratiquement toute la législature, tout ce que nous avons fait. Et je me dis, c'est un discours d'espoir aussi. Bien avant l'ouverture de la session, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, accompagné de quelques membres de son gouvernement, a déposé le projet de loi des finances exercice 2024. Projet de loi évalué environ 16,5 milliards de dollars américains. Selon Samalou Kondé, ce texte de loi met l'accent sur 7 secteurs, entre autres la défense, la santé, l'éducation et l'agriculture. Suivez. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023, du moins en tout cas au budget promulgué par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui lui était à 32 453 milliards de francs congolais. Et ici, je voudrais revenir sur les priorités qui nous ont toujours été assignées par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne ces questions budgétaires et là où nous devons plus mettre un accent sur les attentes de la population. Nous avons bien sûr le secteur de la défense qui, lui, sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possible, donc un accroissement par rapport au fonds du secteur de la défense. À côté de cela, nous avons deux autres secteurs qui viennent immédiatement après. La question de la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre, qui a déjà porté ses fruits et qui tous les jours demande à ce que nous puissions mettre encore plus de moyens. C'était près de 6 millions d'élèves qui ont bénéficié. 6 millions d'élèves de plus qui ont bénéficié de cette gratuité. Donc on veut chaque jour que ce chiffre puisse augmenter. Et au niveau de la santé, qui est notre troisième priorité, nous avons voulu aussi rencontrer cette question de la couverture santé universelle avec cette innovation sur la gratuité de la maternité et puis le suivi post-accouchement. Et donc nous avons alloué suffisamment de moyens pour poursuivre ce programme, qui est aussi une obligation, autant comme celle de la gratuité de l'enseignement, une obligation constitutionnelle. Et nous allons poursuivre les réformes, et le reste des moyens que nous avons, c'est par rapport à ces engagements que nous avons pris par rapport à ces différentes réformes, la diversification de notre économie, avec plus de moyens à l'agriculture, à la pêche et l'élevage, mais aussi à l'industrie avec les nouvelles zones économiques spéciales.
Je le disais au sommaire de ce journal, le gouvernement a publié un nouveau livre blanc sur la tragédie humanitaire et dommages causés à la République démocratique du Congo du fait de son agression par le Rwanda. Il s'agit d'un recueil qui reprend des chiffres combien inquiétants sur les préjudices de cette agression dans la province du Nord Kivu. C'est la ministre d'État en charge de la justice et son collègue porte-parole du gouvernement qui ont présenté ces livres blancs en présence des ministres, parlementaires et diplomates. C'était dans la soirée d'hier au studio Maman Angebi de la RTNC. Après décembre 2022, le gouvernement, à travers la ministre de la Justice et son collègue de la communication et des médias, a présenté en ce mois de septembre 2023 un nouveau livre blanc qui porte sur les dommages causés à la République démocratique du Congo du fait de l'agression rwandaise. Autant d'exactions et préjudices énumérés devant la presse de députés et sénateurs, diplomates et plusieurs autres personnalités du pays. Vous avez 247 écoles qui ont été détruites et incendiées. 61 écoles sont occupées. À Massissi, nous avons 244 écoles primaires désertées, 113 écoles secondaires désertées parce que les enfants sont des déplacés, ils ne peuvent pas aller à l'école et les écoles, dans certains cas, les écoles servent à accueillir des populations déplacées. Nous avons, comme je le disais tout à l'heure, de chiffres compilés avec les différentes agences du système des Nations Unies, près de 2,39 millions de déplacés internes. Comme je le disais tout à l'heure, on a 1,5 million de compatriotes qui sont bloqués dans cette partie du pays, qui n'ont pas encore été enrôlés pour voter. Et donc c'est aussi une question de droit et de justice pour ces compatriotes qui doivent participer au processus électoral que nous voulons tous inclusifs. Le livre blanc est disponible à tout public pour que tout un chacun soit informé de ces crimes commis sur le sol congolais. Nous le faisons parce que nous sommes contre l'oubli. Et généralement, l'effet d'actualité se succède, les jours passent, les années passent, et ça fait 30 ans qu'on en parle, et parfois on oublie. Les événements sont tellement dramatiques que nous avons choisi que pour l'histoire, pour aujourd'hui et pour demain, nos enfants doivent être au courant. Kinshasa est sur plusieurs fronts, notamment judiciaires, pour obtenir justice et réparation, a déclaré la ministre de la Justice, qui a rappelé quelques procédures que mène la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo met tout en œuvre pour mettre fin au cycle de l'impunité qui s'est installé du côté de l'Est de la RDC. Le 21 août 2023, la RDC a déposé une autre plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme et nous attendons que cette affaire puisse être fixée pour que les procédures commencent normalement. C'est au mois de juin 2022 qu'a été officiellement déclarée la présence de l'armée rwandaise sous couvert des rebelles M23 en République démocratique du Congo. Et le ministre de la Communication et des Médias a affirmé suivre de près le dossier judiciaire à charge du journaliste Stanis Bouchakira. Patrick Mouyaya a déclaré toute sa solidarité à la presse congolaise. D'abord, le regret que vous avez, moi-même, je l'ai aussi. Peut-être moi plus que vous. Et donc, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'un journaliste aille en prison. Je ne voudrais pas m'exprimer sur le fond du dossier parce que je n'ai pas d'éléments sur le volet judiciaire et vous savez que dans le cadre de la séparation du pouvoir, je ne suis pas au courant de ce qui s'est fait. Il y a là aussi des questions sur la liberté de la presse, nous y tenons, c'est une valeur cardinale à la démocratie, mais c'est aussi une liberté qui donne pas un blanc-seing, comme on aime le dire parfois, à la désinformation ou à l'instrumentalisation. Et donc, dans ce qui s'est passé, il y a ce qui a été fait au plan professionnel, mais les juges se sont saisis du dossier par rapport aux motivations qui sont les leurs, que je ne connais pas. On ne saura donc pas aller dans ces détails. Mais pour le reste, j'ai dit à Patient Ligodi et à toute l'équipe d'actualité ma solidarité, et nous allons suivre de près les dossiers jusqu'à son dénouement.
Dans un autre chapitre, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a inspecté l'évolution de travaux de construction de la route Ndjolana dans la commune de Mongafula, mais également du centre culturel pays d'Afrique centrale érigé dans la commune de Kassavubu. Les travaux de ces infrastructures sont effectués à plus de 80% à la satisfaction du ministre Alexis Yissaro. Le projet de construction de la route Ndjolana qui relie les quartiers Pompage, Malueka, Kimbwala, Sangamamba, Bumba et Upen dans la commune de Ngelema donne déjà ses couleurs. Pratiquement une année après le lancement des travaux de cette voie, le ministre d'État en charge des ITP est descendu sur ce chantier qui rentre dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Après l'inspection des travaux de la chaussée, des caniveaux et des collecteurs sur cette route longue de 8 km, Alexis Guissard Omouvouni loue l'avancement des travaux. La bonne nouvelle est que le délai de ce projet a été réduit de 5 mois. C'est un projet qui va absolument impacter la vie de nos populations dans cette partie de la ville de Kinshasa. La vitesse dans l'exécution de ce projet de construction de la route Ndjolana, les assainissements avec un taux de 80% à ce jour, l'appropriation du projet par les riverains sont là les faits qui ont marqué le ministre d'État Alexis Guissaro Mouvouni après cette visite d'inspection. La tête couronnée des ITP a aussi pris langue avec la population riveraine satisfaite de l'évolution des travaux. Après Ndjolana, dans la commune de Ngaliema, direction le Centre culturel des arts pour l'Afrique centrale en pleine construction et dans sa phase de finition dans la commune de Kassavubu. Après une séance de travail avec les responsables de ce projet qui symbolise le partenariat gagnant-gagnant RDC Chine, le ministre d'État des ITP a inspecté ce chantier. Optimiste quant à l'achèvement des travaux dans le délai, soit en décembre prochain, Alexis Guissaro Mouvouni annonce des réunions régulières en cette dernière phase de ce projet qui tient à cœur le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi afin de relever quelques défis que rencontre ce projet. Nous sommes pratiquement à un taux d'exécution de 85%, ce qui nous laisse présager que les délais seront respectés. Et nous allons multiplier maintenant les rencontres avec les responsables du projet. Nous avons déjà annoncé que nous serons ici à la fin du mois d'octobre pour nous rassurer que le planning est toujours respecté. Érigé dans la concession située entre le boulevard Triomphal et les avenues Victoire et Sayo dans la commune de Kassavubu en face du Palais du Peuple, ce centre sera le plus grand de l'Afrique centrale. Cet ouvrage va recevoir des spectacles de haut niveau avec des salles de 2000 places et celles de plus ou moins 800 places, sans compter d'autres bâtiments pour l'INA. Des travaux exécutés par l'entreprise chinoise Banjing Urban Construction Group. Le dépôt de candidature pour la présidentielle de décembre prochain se poursuit au BRTC situé au siège de la centrale électorale. Jeudi, la CENI a réceptionné le dossier du candidat Rajabo Tebabo via son mandataire Simon Essambo. Il est président du parti politique congolais Uni pour le changement, CCU. Il est déterminé à changer le paradigme en République démocratique du Congo. Les bureaux de réception et traitement des candidatures, BRTC, au siège de la centrale électorale sur boulevard du 30 juin, continuent à recevoir des candidats pour la présidentielle de décembre prochain. Après avoir rempli toutes les exigences administratives en conformité avec la loi, les mandataires du candidat président, Rajabo Tebabo Soborabo, a dévoilé son ambition politique, ainsi que les motivations ayant valu à sa détermination à briguer une fois de plus la magistrature suprême. Je suis venu ici à la CENI déposer la candidature de notre président national du Parti congolais Uni pour le changement, CIC en sigle, le candidat Rajabo Tebabo Soborabo, qui revient encore une fois de plus, puisque vous savez qu'il a été candidat en 2018, il est revenu encore cette fois-ci en 2023 pour encore déposer sa candidature. Alors il était un peu empêché à l'extérieur du pays, voilà pourquoi il nous a mandaté pour venir déposer sa candidature et nous avons déposé sa candidature en bonne et due forme. Donc nous venons tout de suite là de terminer. Nous avons l'accusé de réception de la CENI. Tous les dossiers complets, vraiment il n'y a pas une objection par rapport au dossier.
sauf qu'on nous a promis de revenir le lendemain pour vérifier la conformité auprès du juriste. Mais sinon, toutes les exigences de la loi, nous avons rencontré ça. Nous ne sommes pas de l'opposition ni de la majorité, c'est un parti qui évolue indépendamment, c'est un parti indépendant, le parti CUC. Et nous avions aussi aligné des candidats à la députation nationale et provinciale. Nous en sommes parmi les 10 partis politiques qui ont atteint le seuil de recevabilité de 60%. Pasteur et homme d'affaires, Rajabo Tebabo Soborabo s'inscrit dans l'optique du changement afin d'apporter sa part à la consolidation de l'unité entre les Congolais. Son parti n'est ni de l'opposition ni de la majorité, ayant aligné des candidats aux législatives et provinciales, faisant partie des 10 formations politiques qui ont atteint le seuil de recevabilité. Il a été candidat président en 2018, il revient encore en 2023. Autre sujet d'actualité, le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayulu, dénonce la sévérité de la peine infligée à l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, selon cet opposant. Cela démontre de la nature profondément rancunière du régime du président Félix Tshisekedi. La sévérité de la peine de Jean-Marc Kabound n'a d'égal que la nature profondément rancunière du régime de M. Tshisekedi au détriment de la vérité de la justice, a écrit Martin Fayulu sur son compte X. Le député national Jean-Marc Kabound a été condamné par la Cour de cassation le mercredi 13 septembre dernier à un cumul de 7 ans de servitude pénale principale pour outrage au chef de l'État, au corps constitué et pour la propagation des faux bruits. Des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur des ressources naturelles ont donné de la voix sur le contrat des partenariats entre la société Sakima et l'entreprise privée Primeria Gold pour l'exploitation des minerais. Ces structures demandent au président de la République de mettre en place une commission ad hoc avec l'implication de la société civile pour examiner les revendications des entités administratives et des entreprises laissées par ce contrat. On écoute. Après échange avec les différentes personnalités citées et lecture de certains documents portés à leur connaissance, en attendant la publication des contrats dans le délai de 60 jours exigé par la loi, les organisations signataires ont fait le constat suivant. 1. Les différents partenariats signés ont bénéficié de l'impulsion du président de la République et semblent être le résultat d'un choix politique. 2. La décision politique prise suscite des inquiétudes dans sa matérialisation en différents termes. Le respect, le premier trait, le respect du code minier en ce qui concerne les taxes et les dividendes provinciales et entités locales. Le respect du code minier par rapport à l'application des contrats en matière de résiliation et du respect des droits acquis. Le risque des effets pervers de bonnes intentions telles que les note aujourd'hui, telles qu'on les note aujourd'hui pour le cas de Sicomine et de Sakima Diter. Eu égard à ce qui précède et compte tenu des enjeux géostratégiques au niveau national, régional et international, et prenant en compte les objectifs de la décision politique et les risques énumérés, les organisations et personnalités signataires formulent des recommandations suivantes. Au président de la République, garantir l'application par le gouvernement des décisions politiques qui profitent au pays et qui ne lèsent pas aux tiers en règle avec la législation en la matière. 2. Ordonner la mise en place d'une commission ad hoc avec implication de la société civile pour examiner au cas par cas les revendications des entités administratives et des entreprises s'estimant lésées par le partenariat Sakima Primera. La
rédaction de A30 Télévision a partagé pendant 2 mois ses locaux avec les étudiants de la 3e année de graduat de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication venus pour leur stage académique, stage qui a connu son épilogue ce vendredi sur une note satisfaisante. Leur réaction à travers ces images et commentaires. Après 2 mois de stage académique passé à Actu 30 Télévision, l'heure d'au revoir a sonné pour les étudiants du premier cycle de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, tous satisfaits d'avoir lié la théorie à la pratique. Un moment de travail acharné, pas toujours facile pour ces stagiaires qui devraient se mettre au parfum de la production d'un journal télévisé. Arrivé ici, nous avons fait une autre expérience durant ces 2 mois. C'était un moment de travail. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai dit tantôt que c'est un sentiment de joie. Parce que c'est dans le travail qu'on retrouve sa joie. Pendant ces moments, nous avons effectué beaucoup de descentes sur terrain, surtout ça. C'était parmi les éléments clés, faire la descente et puis revenir à la rédaction et rédiger. Madame Gélle nous parlait déjà ce qu'elle nous disait à tout moment, de travailler, tout ça. Moi, perso, parfois j'étais frustrée. Ça faisait mal qu'elle me dise ça. Et après, je me suis dit, déjà de moi-même, je dois être sûre de moi en fait, que je suis intelligente, que je suis capable de faire ça. Pour eux, de moments passés au groupe de presse Actu 30 reste une belle expérience à jamais gravée dans les annales de leurs souvenirs personnels. Et pendant la proposition, ça nous est arrivé de proposer un sujet qu'on ne valide pas et puis tu es un peu frustré, tu t'es dit que tu as préparé un truc, tu disais que c'est bien arrivé, là on te dit que c'est pas bien. Du coup, ça frustrait vraiment, mais on a compris que c'était pour notre bien parce qu'avec le temps, on a fini par avoir un peu l'image de faire quoi, un sujet valide. Un grand remerciement, surtout à la DG, Madame Rachel Kitita, qui, dès les premiers jours, elle nous a accueillis à bras ouverts, elle nous a traités comme ses confrères, elle cessait de marteler et puis elle cessait aussi de nous dire que le journaliste était un métier de complémentarité. Et à son niveau, elle nous disait très souvent ouais, on est là pour s'aider, pour s'entraider. C'est d'ailleurs l'anecdote que je retiens d'elle. C'est quelqu'un de très gentil. Toute l'équipe aussi, les encadreurs. Créé en 2018, le groupe de presse Actu 30 est dirigé par Madame Rachel Kiti-Tandongo. Et la rédaction d'Actu 30 est satisfaite de cette formation aux étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que prend fin cette session d'information. Merci de votre attention. Bonne suite de programme. Au revoir.